Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Palworld et on est à la 1.1, la 0.1.1.0. Donc on a encore une version de retard par rapport à Steam, mais ça va, ça, ça progresse. Oh la vache. J'ai fait quelques changements dans la base principale, je vais vous montrer. Elle marche super bien maintenant. J'ai augmenté ça aussi la dernière fois, j'ai oublié de le faire. Je vais vous montrer le pistolet aussi. Je vais juste regarder ce qu'on a à faire ici. J'ai récupéré un œuf, donc on va le mettre. J'ai aussi trouvé un truc cool. C'est avec le grappin. Alors le grappin, je l'ai fait. Alors le grappin, honnêtement, le grappin en temps normal, genre à l'extérieur et tout ça, c'est inutilisable. C'est pas intéressant en fait, parce que vous avez des pales qui vous permettent de voler et tout ça, donc c'est pas du tout intéressant. Par contre, un truc intéressant que vous pouvez faire, c'est que si vous êtes plein et que vous pouvez pas bouger, hein, du coup, ce que vous pouvez faire en fait, c'est ça. Hop là, c'est vous déplacer avec le grappin. Bon, bien sûr, il y a une recharge, hein, donc faut attendre. Voilà. Et du coup, ça vous permet de. Ah, oh, patrouille de braconnier. Ok, par là. Ça vous permet, du coup, de déplacer énormément de choses. Viens ici. Ça vous permet de déplacer énormément de choses en une fois. Très bien. On en profite, hein, tant qu'on a des œufs, on en profite. Donc ouais, ça c'est une très très bonne chose. Donc si jamais vous êtes vous avez des problèmes par rapport à ça. Ouh, gigasphère, c'est cool. Des problèmes pour déplacer les choses, faites ça, utilisez le grappin en fait. C'est vraiment à ça qu'il sert au final, c'est vraiment à ça qu'il sert. Donc ce que j'ai fait, genre si vous regardez là, on voit qu'on a que 2000 de bois et 600 de pierre, parce que j'ai déplacé des très 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 gros stacks. Donc on va aller à notre deuxième base. Je suis assez content du coup. Et là, vous voyez que 10 000 et 3 000 de pierre. Donc, c'est cool. La pierre, il faut qu'ils en fassent encore dans l'autre camp. Faudrait peut-être que je remette des gens qui tapent la pierre. Blessure grave. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà. Ah oui, aussi, j'ai été attaqué par ça. Donc, ça, c'est le clan des fangirls et tout ça. Et j'ai pu en récupérer deux. Et elles sont pas mal en fait pour la base. Elles sont pas mal. Elles sont honnêtement, elles sont horribles, on dirait. Enfin bref. Après, elles font du poison surtout, de ce que j'ai vu. Donc ça peut être intéressant pour le combat. Mais surtout, c'est travaux manuels 2, donc c'est plutôt bien. Pharmacie, bon, pharmacie pour l'instant, c'est pas vraiment le plus important. Mais elles font aussi du transport niveau 2. Donc travaux et transport niveau 2, et elles font un peu d'extraction. Donc honnêtement, elles sont vraiment cool pour ce camp-là. Donc c'est vraiment sympa. J'ai rajouté des meilleurs lits aussi. Faut que je fasse le reste, mais j'ai eu un peu la flemme. Donc il y a ça. J'ai l'impression que les chats, ils dorment jamais. Ou je sais pas. Enfin, ils dorment rarement. En fait, j'ai remarqué ça. pour les chats. Enfin bref. Le métal se gère beaucoup mieux. Elles sont très bien en transport. Vous avez vu, elles vont super vite en fait. C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment sympa. J'ai mis des torches un peu partout. J'ai changé un peu le style ici. Parce que j'ai mis du coup les coffres au centre. C'est nettement mieux, hein, évidemment. C'est logique. Du coup, je peux récupérer les trucs et directement aller dans les coffres. Donc, ça, c'est vraiment sympa. On va mettre ça là. Voilà. Ah, me mets pas des. Aïe, 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 aïe. Elle va me mettre le bois là, ah, c'est pas grave. J'ai mis ça ici. J'ai récupéré aussi des médicaments d'amnésie grâce à elle. J'en ai tué quelques-unes du coup.
Mais il y en a d'autres que j'ai pu... Il y en a deux que j'ai pu capturer. J'ai des méga sphères, j'ai de l'argent. J'ai un peu dépensé de l'argent pour récupérer du cuir et tout ça, des trucs comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais... On peut faire maintenant... tiens, on peut faire ça. C'est vrai que ça, je l'ai pas fait. Capsule d'enregistrement pâle. Je sais pas si ça vaut le coup de la faire... Oh, putain, elle est super grande. De la faire ici, honnêtement, par contre. Je sais pas si ça vaut le coup de la faire ici. Enfin, de toute façon, on n'est pas obligé pour le moment, donc on peut attendre. Des incubateurs, il faudrait que j'en fasse plus. Des tablisphères, on a. Il y a la plateforme de surveillance que j'ai pas. On pourrait peut-être en faire une. Ouais, je sais pas. C'est pas vraiment utile pour le moment. J'ai le générateur, je peux le faire. Je peux faire générateur et production, je crois. Ouais, on peut faire les deux maintenant. On a assez. Chaîne de production de sphères. Par contre, ça prend de la place, cette merde. Ouais. Il me faudrait un endroit qui soit complètement plat. J'avoue que le seul endroit qui est vraiment bien plat, c'est ici. Donc, donc bon. C'est un peu embêtant. Je voudrais pas en fait trop taper sur les coins pour le charbon. Parce qu'il y en a deux. Je crois qu'il y en a un troisième là. Il y en avait un quatrième là maintenant, mais il apparaît plus. J'ai essayé de changer des trucs, mais il apparaît plus. Donc il y a ça. Pourquoi il y a un chat là-bas? Non, attendez. Voilà. Mais ouais, je sais pas trop quoi faire avec la chaîne de production. Là. J'avoue. Oh, on verra ça après. On verra ça plus tard quand j'aurai le temps, honnêtement. Aussi, donc j'ai fait le pistolet. Donc le pistolet, il fait 437, le pistolet en verre, de dégâts, comparé... Au mousquet, c'était 600. Mais bon, là c'est le pistolet, donc il tire beaucoup plus vite. J'ai pas testé encore, mais j'imagine qu'il tire beaucoup plus vite. Donc on a ça, donc c'est cool. Ah oui, aussi, on voulait peut-être faire la fourrure chauffante 2. J'ai pas regardé. Non, il nous faut toujours de l'arcane de congélation. Putain, il faut des pièces d'une ancienne civilisation, t'es sérieux? J'avais pas vu qu'il fallait ça. Ah, j'imagine que pour la réparer, il en faut aussi. Oh là là, ça va être une catastrophe. Enfin bref. Je pense qu'on a tout. On a tout qui est fonctionnel. Je crois pas qu'il me manque des trucs. La table pharmaceutique. La table pharmaceutique, je sais pas trop à quoi elle va me servir. Parce qu'en fait, les choses qu'il demande, c'est quand même vachement rare. Putain. Ah, fais chier, la statue, elle me bloque. Je peux pas... Ah bah attendez, je peux pas faire comme ça. C'est bien là, ou ça va gêner? Je sais pas, ça va pas gêner. C'est assez simple de placer les choses. Un truc qui est bien, par exemple dans Grand Dead, c'est un peu chiant. Parce que là, en fait, là, quand vous tournez, en fait, c'est des... Genre, c'est des degrés, en fait, des quarts de tour et tout ça. Vous voyez? Et du coup, ça rend la chose assez simple pour mettre les choses côte à côte et où on veut. Alors que Grand Dead, en fait, c'est... vous avez aussi le fait de pouvoir tourner, mais c'est... Mais c'est fluide en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup c'est un peu la galère des fois. Médicaments de fortune, guéri de fièvre. Ah les fièvres. T'es bloqué toi? Je sais pas.
je sais pas si on a bien fait de la mettre là, la table. Ah, je vais être chiant, désolé. J'aurais dû le faire, honnêtement, j'aurais dû le faire avant, au lieu de... Au lieu de le faire en vidéo, enfin bref, c'est pas grave. On va la mettre là, parce que de toute façon, là, pour réparer, il n'y a que moi qui répare. Par contre, la fièvre, du coup, j'ai peut-être des médicaments pour la fièvre. Ouais. On va faire ça. Alors, c'est le gros truc. La dépression, je sais pas comment ça se soigne. Si je le savais, je soignerais la mienne. Mais je pense que les lits aident, parce qu'avant, j'avais trois chats, en fait, qui étaient dépressifs. Maintenant, j'en ai plus que deux. Donc, je pense que les meilleurs lits fonctionnent bien. Il est où, le machin? Il est là. Par contre, je sais pas comment... On m'a dit qu'il faut lui donner à manger. Alors, attends. Nourrir. Voilà. Ah non, c'est ça, ça marche. Bon bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et après, si je te soigne la dépression, c'est quoi? Une boisson qui remonte grandement le moral, augmente grandement temporairement la vitesse de travail. Remonte le moral, boire augmente temporairement la vitesse de travail au détriment des points. Guérit la dépression et faiblesse. Ah, c'est ça. Ah, il faut des os et des cornes. Bon, maintenant le métal ça va, mais les os et les cornes c'est relou. Ah, vous avez vu, ça marche bien. Hein. Ça marche super bien. Allez, on va à l'aventure. Bon bah du coup, on va repartir dans la neige un peu. On repart un tout petit peu dans la neige. Ça charge plus vite maintenant avec la 1.0. Ouais, là. On va prendre toi, parce que tu me tiens chaud. Ah, il y a un chili ici. Ah ouais, le mien, il est super gros, en fait, comparé à ça. Ça, c'est la taille... C'est sa taille normale, en fait. Moi, j'avais un boss... on va tester un peu le pistolet. Je voudrais juste des... Je les ai pas. Pourquoi il y a des chilés maintenant ici? C'est depuis le changement? Depuis la mise à jour en fait. Cool. Oh, c'est un sprinter en plus. Ah, c'est bizarre, maintenant il y a des chilets ici. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, non, ils ont tué le marchand. Ah mais non, mais c'est pas les marchands ici. Si, c'était le marchand. C'est fait tuer. Oh putain, c'est top. Ok, maintenant ils vont plus faire les malins, les trucs. Ah, le pistolet est top. Plus je peux faire les... C'est quoi, c'est un gros œuf? Gros œuf. En plus je peux faire les balles. Donc ah, oh, cool. Oh, vraiment cool. Ah, organe de congélation, ça marche. J'ai peur de faire des armures en fait de genre de haut niveau. Parce qu'après elles demandent de plus en plus de choses rares en fait. Genre par exemple là on a que du métal, donc ça demande du métal, mais bon, on a géré notre problème de demande de métal maintenant avec notre nouvelle base, donc ça passe. Mais si on fait l'armure bleue là qui demande des pièces d'anciennes civilisations là. Oh, honnêtement, aussi je voulais en parler. Des pièces d'anciennes civilisations, ça vous rappelle pas genre Zelda, Breath of the Wild, même le deuxième, il a ça. Avec les... Genre les araignées, tout ça, là, c'est une ancienne civilisation, ça aussi. Ça vous rappelle pas ça?
pas, bref. Mais c'est assez marrant. Attends, peut-être qu'on peut t'attraper. Ah, il l'a démonté. Ok, très bien. J'ai pas fait de... Ouh, joli. J'ai pas fait de sphère bleue. Oui, non, de bleu. J'en ai pas fait, j'en ai juste récupéré là avec, avec la ferme. Là, il y a du soufre. Faudrait aussi en récupérer du soufre. Et j'en ai pas vraiment. Enfin, j'en ai utilisé, quoi. Est-ce qu'on peut, genre, aller le donner ou on continue un peu à se balader? Alors on va continuer à se balader. Bon, peut-être pas une zone, complètement extrême. On va peut-être aller voir là-bas, là. Ça, c'est quoi, là, comme combat? 35? Ah, 35, c'est chaud. Je sais pas si augmenter l'endurance de notre endurance augmente l'endurance aussi des oiseaux. J'ai jamais trop fait attention, je vais être franc. Barrette à plume. Deux. Ok. Y'a quoi là? On va être plein. Évidemment. Non mais lâche-moi. Elles vont être chiantes. Je veux juste me TP. Genre lâchez-moi, je veux juste me TP. Partez. Ok, ouf. On est bon. Très bien. Ça, les œufs. Faudrait que j'aille les. Ouais, faudrait que j'aille les mettre. Bah c'est super bien, le, entre le pistolet et l'arbalète, c'est cool. Ah putain, je peux pas mettre ça. Ah oui, j'ai enlevé ma boîte, moi. Comme un idiot. Parce qu'en fait, il commençait à mettre tout et n'importe quoi dedans, donc du coup, je l'ai enlevé. On devrait... là. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas. Très bien. Ah, je suis content pour le pistolet. Il a abusé.
Faut qu'on teste aussi le gros truc que j'ai pris là, de la dernière fois, parce que je l'ai toujours pas testé. Alors, fais voir ce que c'est ça. Ah, c'est une barrette comme ça, en rare. Putain, 5 pièces. Oh la vache. Non mais 5 pièces, il n'y a aucun... C'est certain que je vais devoir en utiliser pour la réparer, quoi. Ça va être fou. J'en ai toujours pas assez. 9 sur 12. Organe de congélation. Mais moi, c'est quoi que j'ai ramené, du coup? Désolé, je suis un peu perdu, là. Il y a tellement de trucs. Organe de congélation. C'est pas ça qu'on a, on a ramené? On en avait... Ah non, c'était peut-être des... J'en sais rien. Je sais pas. Je vais être honnête, je sais pas. Bon, on peut faire ça. Voir un peu ce que ça donne. Au pire, si c'est... Pas grave, on le mettra de côté, puis voilà. Du coup, est-ce que je peux toujours faire... La production. Ouais. Le générateur. Ouais, ok. Non, c'est bon. On va aller mettre les œufs à pondre. Je pensais à mettre des incubateurs en fait dans le deuxième camp. Mais je me suis dit, ça sert à quoi? On a un incubateur ici, autant le faire fonctionner, quoi. Parce que ça utilise aussi des composants rares, donc bon. Très bien. Faudrait que je crée une boîte juste à côté, en fait. Je pense que c'est nettement plus intelligent de faire ça. Genre là. Comme ça, ils font des allers-retours juste pour la... Comment ça s'appelle? La... Oh! Ça, c'est bien ça. Juste pour là, quoi. J'ai pas besoin de vérifier 150 coffres. Enfin, en théorie, s'ils placent bien les objets. Je regarde si j'ai pas des organes de congélation qui traînent, du coup. Je pense pas. Bon, ça a l'air d'être bon. Et de l'argent même là, quoi, ça a aucun sens. Enfin bref. Ah, ce jeu... Avec ces pales qui font... Après, pour être franc, les pales fonctionnent. Ils fonctionnent pas parfaitement. Mais... j'avoue que peut-être des fois je suis un peu... Un peu dur avec le jeu. Et j'avoue que ça fonctionne quand même. 21, 84. Ah putain, c'est nul. Bon, ben... De toute façon, pour réparer maintenant, il faut que du métal, moi. Ouais. Bon, ben... Ah, c'est con. Bon. Ben, ce qui est bien, c'est que du coup, on va pas faire ça. On peut voir la fourrure, c'était combien, la fourrure? C'était 6 pièces. Ouais, on va pas faire la fourrure non plus. Ah, c'est un peu bête. Du gâchis. Gâchis de matériaux. Allez. Bon, pas besoin de... trop se balader dans le froid, du coup. Où est-ce qu'on va aller? Je vais peut-être bien aller là. Ah, je suis déçu. Je me suis dit, même si... Quoique, après, c'est bas niveau, hein, le... ça... La fourrure, elle est plus haut niveau, je crois.
Genre ça, c'est niveau 10. Alors que la fourrure qu'on veut, je crois qu'elle est... Voilà, on verra. On verra si je me motive ou pas. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce terrain ici. Il y a de la pierre. Ah, il y a du charbon aussi. Casse-toi, toi. Ah, attends, on va tester, on va tester ça. Eh, vas-y. Il est un peu lent. Oh, tu vas faire mal. Yeah, pas mal. Ah, j'avoue que c'est un... Ouais, j'avoue que c'est pas mal ici. Hein. Ça, c'est de la pierre. Pierre, métal. Bon, y a pas beaucoup de métal, par contre. Ah, ouais. Un charbon. Ouais, non, c'est juste que c'est plat. C'est surtout ça, en fait. Alors, je voudrais... mettre... Ouais, c'est vraiment parce que c'est... là, c'est surtout ça. Rien d'autre. Yo. What? Parce qu'après, je sais pas comment ça fonctionne. Le plus avancé que le métal. Je crois qu'il faut après métal raffiné ou quelque chose comme ça. Mais je sais pas ce qu'il faut pour le faire. Mais je suspecte qu'on soit encore dans le délire où il faut du métal à tout va. Donc j'imagine que ma base est quand même vraiment bien, celle que j'ai. Très bien, il y a un camp là-bas. On prend l'œuf? Ouais, on prend l'œuf. Ah là là! Quand j'arrête pas de penser à Nintendo, quoi. S'ils pouvaient faire un jeu Pokémon du même système... Et qui garde aussi à jour. Oh, attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est ça, ok. Je pensais que c'était des... Comment ça s'appelle? Les poulets, là, qui explosent. Les poulets, j'en voudrais bien, des poulets. Genre plusieurs. Comme ça, on peut les améliorer. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? On a les Mossanda. Ça aussi, je peux leur mettre des lance-grenades, mais j'ai toujours pas fait. Vas-y, démonte-les. ...1100, pas mal. Ah, ça, ça fait mal, ça. Je vais voir ce que tu fais contre deux Mossanda.
Ça a l'air un peu empoté quand même. Hein. Ouais, allez. On dirait qu'il a du mal à faire les autres attaques en fait. Est-ce que c'est les attaques qui font... Genre les graines, il fait quasiment jamais. Le lierre rampant. Je vais voir si on met du... CT4, c'est quoi? Le CT c'est quoi en fait? C'est genre le numéro de la... De l'habilité ou le tank ça met. On va voir si on lui met ça. Est-ce qu'il est spam? Ok, déjà une. Allez! Ok. Parce qu'il y a sa selle qui est assez sympa là, si ça peut m'augmenter ma... le poids que je peux porter et tout ça, c'est plutôt cool en fait. Mais bon, si le machin il est tout pourri... Ok, ça, ça fait mal. C'est pas mal. Enfin, faut que ça touche. Hein, mais... non. Honnêtement, je pense qu'il est juste empoté, comme pas possible. Ok, ça fait une attaque, deux attaques. Ok, peut-être que l'eau c'est mieux. Pas relou. En théorie, lui, ça devrait être mon prochain oiseau volant, en fait. Enfin, oiseau volant, oui, mais monture, c'est ça que je veux dire. Après, j'en ai déjà un, mais... Même deux. Ouh, motivateur, cool. Armure, fourrure, 1. Ah, peut-être que je peux déjà avoir sa selle, en fait, ça fait un moment. Bon, il a l'air moins empoté avec des attaques d'eau. Il a l'air de les spammer un peu plus. Oh.
Vas-y, attaque tout. Bah ça c'est pas mal ça. C'est pour ça que je voudrais la garder cette attaque en fait. Je vais pas y arriver, hein. Ah, il y a un coffre, là. La merde, ça l'a tué. J'avais dans l'espoir que ça le tue pas, mais... Vas-y, fais quelque chose. Fais quelque chose. Putain de merde. Ok, pas mal. Le problème, c'est qu'il a l'air de se replacer tout le temps. Genre, il s'éloigne des ennemis, en fait. Je sais pas. On va la tuer, je pense. Tiens, les attaques, elles s'arrêtent maintenant quand elles rentrent dans la sphère. C'est peut-être la version 1.1 qui fait ça. Ouais. Oh, les pourcentages, ils sont pourris en fait, hein, pour capturer. C'est horrible. Enfin. Tu fais quelque chose. Oh mais non mais sans déconner quoi. Elle, elle est beaucoup plus vénère. Donne-moi ça. Il n'y a que cette attaque à la limite que je devrais peut-être enlever, mais elle fait très mal, donc ça va. Parce qu'en fait, elle va... elle a l'IA débile, en fait, c'est comme je le dis à chaque fois. C'est l'IA très bête où elle va... Dès qu'elle elle a décidé de faire cette attaque, elle va aller absolument, en fait, contre le sur la cible. Je crois qu'il y avait une statue là-bas, mais c'est pas grave. Donc elle a vraiment l'IA débile où elle va juste faire ligne droite sur la cible. Donc ça c'est peut-être un peu embêtant. Ça marche bien.
sur un malentendu. Ah. Je l'ai dit, hein, sur un malentendu. Balle cauchemar apprise. Mon oiseau, il a appris ça. Vas-y, on va passer dans l'avenir. Mon dieu, il y en a beaucoup. Attends. Là, il y en a quand même beaucoup, tu vas te faire défoncer. Ok, très bien. Yeah, l'avenir. C'est trop bien. Oh, nouvelle attaque, ça. C'est pas mal. Fais de moi. Merci. Par contre, elle a pris cher. Elle est pas morte? Non. Plan d'arbalète. Bon bah c'est cool. On va continuer, on va faire encore quelques trucs. C'est sérieux là? Oh mon dieu! Fais voir toi un peu. Quand tu veux, tu fais quelque chose. Hein. Putain. Ouais, bon, maintenant, il a des attaques d'eau, donc du coup, voilà. Comment on fait ça? Allez, on va changer. Ah ouais, ça sauvegarde beaucoup plus... ça charge beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des chaos là? Qu'on a récupéré du coup? Test de travail, 50%. Putain, 50% ça tue. Parfait. On a deux œufs. Bon, les œufs, on va les mettre là pour le moment. Le pain. Je sais pas comment on a récupéré du pain. Là, on a quoi du coup? Arbalète, on l'avait déjà. Hein. Ouais, c'est le même. Et après, on a aussi pareil même. Ça marche. Moi, c'était quoi? Armure en fourrure. Au fond de. Armure.
En fourrure. C'est où fourrure? Fourrure, c'est là. Fourrure chauffante. 18. Ouais, non. Ça vaut pas le coup de tenter. Ah, le gros sac de nourriture, je peux le faire. Comment ça se fait? Il faut quoi pour le gros sac de nourriture? Parce qu'il y a la boîte de texte là qui est coupée. Gros sac de nourriture. Ah, ils ont enlevé la 1.1, là, elle a enlevé. C'était du... je sais plus comment ça s'appelait. Quelque chose de supplémentaire, en fait. Bah go, alors. Ah bah, on peut cliquer dessus aussi. Ouais, non, go. Il y a ça aussi, je sais pas si c'est bien. Pour les paralyser. Ils sont plus faciles à capturer quand ils sont paralysés. On peut peut-être prendre ça, on peut tester. Voir si vraiment ça aide. Alors, on avait dit qu'on voulait virer le... Le gros pachyderme qui sert strictement à rien. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors moi là-bas je prenais quoi? C'était mon lance-flamme en fait, c'était le fox. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un d'autre? 28. On a quoi en chef là? On a toi. On a le chilé, mais ça c'est ma monture quoi en gros. Le chilé était pas mal, hein. Peut toujours être utile. Okay, fais voir ce que c'était. Faut l'huile de palme, hein, j'en ai plus. Aucune idée. On a du feu, on a de l'eau. Buffy, il est sympa, mais il est trop lent en fait. Est-ce qu'il a d'autres attaques? Il a coup fatal. 3 sur l'ennemi. Ce Aigiri, là, il est bien, mais c'est trop lent. Il permet de garder la main droite libre pour tirer en plein vol. T'as vraiment des stats de merde. C'est horrible. Horrible. Faut vraiment qu'on récupère des nouveaux pales, genre un peu pétés, parce que là, j'ai pas trop le choix en fait. Alors, la matraque électrique. Donc ouais, il n'y a quasiment pas de dégâts. Ce qui est logique. Ça marche. Ah oui, je voulais regarder un peu les nouvelles attaques. Tornade verte génère des tornades des deux côtés pour assez... Ça a l'air super puissant. C'est bête qu'elle ait pas des trucs pour le combat. Elle a vraiment des trucs juste pour travailler en fait. Tornade vert, mitraillette graine. Ah, mais ça c'est en...
C'est bien, mais c'est pas à distance. Décrocher coup sûr et dos qui file droit sur la cible. On va lui mettre quand même une attaque d'eau, on va lui laisser une attaque d'eau. Tout ça, c'est des attaques qui vont très vite. Toi, tu as un balsam, tu as le tir enflammé. Autour d'elle. On va peut-être te mettre le tir enflammé à la place. Lance 3 malédictions qui poursuivent en assablant l'ennemi. Ah oui, mais ça aussi. Mais en fait, elles ont tous appris des trucs là au niveau 30 en fait. Ouais, ils ont tous appris des nouvelles attaques. Donc ça c'est cool. Bon après ça permet de faire une AOE en fait. Alors on tire des projectiles enflammés et ça c'est tire 3 flèches de feu. Pouvoir de dragon, ok. Les balles cauchemar, j'ai une grosse sphère d'ombre pour lancer à toute vitesse sur l'ennemi. Lance des flammes sur l'ennemi qui inflige des dégâts en continu, tire une boule de feu, elle explose. Tire enflammé, c'est ça le lance-flamme? Non, c'est projectile, ok. Tornade de sable, génère des tornades de sable dans les des deux côtés pour assaillir l'ennemi. Ah, ça y est, on peut lui enlever toutes les autodestructions. Donc techniquement, il peut combattre avec moi. Maintenant. Combien de temps? 2 minutes encore. On va faire un tour dans notre camp. Parce que lui, je l'utilisais jamais parce que il s'autodétruit. Du coup, je peux plus tirer avec mes... avec ses œufs là. Ah, j'aurais dû prendre les œufs et les mettre là. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche. Bon, non, ça marche pas exactement. Parce que quand même, ils mettent des trucs ailleurs, mais c'est mieux. C'est déjà mieux. Est-ce qu'il y a des pales intéressants ici que je pourrais ramener dans l'autre camp? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Ouais, c'est quasiment instantané maintenant le changement de zone. Pas comme ça. Quarante secondes, et après on y va. On va faire peut-être un épisode un peu plus long cette fois. De faire ça. Ah, attends. Bon bah ça va, on a de l'eau, on a du feu. On a de la plante. On a un lance-grenade. L'autre, elle s'est bloquée. Ok. Merde. Ah, mais c'est fini. Ok, on a notre troisième... Ok, on peut mettre une troisième nourriture si on veut.
ça fait beaucoup. Ça va. Tiens, on va garder ça. Va falloir peut-être que je prenne du pain fourré, moi, plutôt. On va prendre ça. Les baigriers, on va les virer parce que c'est très... c'est quand même bas niveau. Voilà, très bien. Allez, on se casse. On retourne à l'aventure un peu. 31 Mossandalux. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que je me rappelle pas de lui. Je pense qu'il faudrait des... Comment ça s'appelle? Des sphères jaunes, peut-être. On fait voir un peu... toi. Yeah. Fais ta tornade ou je sais pas quoi là, tes sphères. Ok. Il est où le gros méchant? Il est là-bas? Il est là-bas. Ouah. 31, ça devrait passer. Hein. Ah, fais voir quoi ça fait, ce que ça fait les balles cauchemars là. Ah, c'est sympa! Quand ça touche. Ah, oh, ça, j'en voudrais bien. Plus. Pour le bois, parce qu'ils sont pas mal pour le bois. Merde! Mauvaise touche. Je crois que j'en avais que... Ouais, j'en avais quelques-uns, pas beaucoup. Ah, sprinter, ça tue. Ouh, c'est joli. Ah, elle tire vite, hein. Après, l'attaque, c'est pas mal. Elle, honnêtement, la sorcière, je la trouve vachement intéressante. Comme... comme pâle, en fait. Ça me dérangerait pas peut-être de l'augmenter. What? Alors, où est-ce qu'on doit aller? Là-bas. Ok.
Ça a pas l'air d'être très précis quand même. Hein. Aïe 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 aïe. T'es sérieux? Il est bizarre ce rocher. Non, oh, putain, c'est pas par là. Mais j'ai du mal à me voir les directions. Vous entendez le vent là? C'est depuis la 1.1. Maintenant, on a une sorte de courant d'air là tout le temps à entendre. Bizarre. Ah, il est là. 31. Ça va être chaud, non? On n'est que 6 de jaunes. Donc c'est cool. C'est le Mosanda, mais ouais, là c'est la version électrique, j'imagine. Ouais, pourquoi pas. On a déjà fait 30. Hein. Oh mon dieu, c'est vrai qu'il s'envole à chaque fois. Ouais, attends, on va faire autre chose. Qu'est-ce qui est bien contre l'électricité? Ah, tu m'as paralysé. Je la rappelle. Je suis bloqué. Oh mon dieu, je suis bloqué en animation. Ok, c'est bon. Oh vache. Non! Si j'avais pas eu ce bug de merde là où j'étais bloqué. Ça en aurait... Ah, ça me...
Incroyable. Putain, qu'est-ce que c'est kiffant les bugs. Alors, fais voir la truc. Putain, ça m'énerve, ça. Ah ouais, au bout de quelques coups, ça paralyse. Ah, quelle merde. Bon, ça a l'air sympa ce système là. Bon, où est-ce qu'on va? Faudrait que je fasse combattre le dragon là. Ah, c'est pas un vendeur ça. Oh, il est là du coup. Je me rappelle l'avoir croisé. Hein, faut que je le note sur la map. Il y a un coffre là-bas? Non, c'est un truc de faux. Alors, on peut voir. Je sais pas quoi mettre. Pas ça. Tout est bon pour le business. Pas le voler, braconner. Jette un oeil. 15 000. Incinéram. Voir incinéram, la gueule. Ah putain, on peut pas le voir. Corps robuste. Quoi ça? C'est une sorte de cheval? Bête qu'on puisse pas le voir. On va vendre les trucs qui sont pas très très intéressants. Genre les habilités en fait qui sont pas intéressantes, genre motivateur, tout ça on garde. Ça me fera un peu d'argent. Quoique techniquement en fait on n'a pas vraiment besoin de vendre. Bon, on fait voir lui. Il attrape ses proies la nuit pour les ramener sur son territoire. Ah, ça m'énerve, hein, ce coup du truc électrique là, on aurait pu l'attraper. Ça a tout merdé. Enfin bref. Je crois qu'il réapparaît. Enfin, ils réapparaissent là au bout d'un moment, mais bon. Où est-ce que je vais là?
Bon. On va rentrer, hein. J'aime pas trop cet endroit là. Il n'y a pas de téléporteur, c'est un truc de ouf. En fait, c'est des zones plates quoi, pour faire des bases, c'est ça? Coffre. Ouais, mais ça, c'est une version normale. Non? Ah non? Bon, ben, let's go. On peut le capturer avec ça? Non. Il a encore trop de vie. C'est pas mal les tornades, ça paralyse. Bon, faut faire gaffe aux dégâts. Ok, on va reculer un peu, on va lui faire des dégâts. Putain, mes balles de pistolet, la vache. On va voir si on peut l'électrifier, mais ça m'étonnerait. Oh la vache! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Nique-toi! Ah, quand t'es trop près de la créature, ça passe à travers la boule. J'essaye de faire de l'expérience en même temps. Tiens, qu'il va être relou. Hein. Putain. Mais quoi, 5 pour... Comment? Bordel de merde. Je pense pas qu'on puisse faire mieux que 5% honnêtement.
Yes! Let's go. Positif. Ouais, c'est un peu pourri. Mais... Bon, bah ça va, on l'a vu. J'ai pas besoin d'être énervé. J'ai pas fait attention, on a épuisé nos stocks de balles. Hein. Ça va vite quand même. J'avoue que ça va super vite. Alors, très bien. Retour à la base. Après, c'est pas très compliqué à faire. Faut de la poudre. Donc, du coup, soufre. Soufre et charbon de bois. Donc, ça va. Par là. Ouais. Là-bas. Un coffre. C'est un coffre, ça. Quoi, ce bruit ? Non. Pas besoin de tout défoncer, hein. Bon bah ça va, c'était une belle sortie. Je suis content. Je suis content. C'était une belle sortie. On va d'abord voir les œufs. Quoique j'en ai même pas de réserve ici, je crois. Non, si. Si, si, si. Bon. On le connaissait, c'est pas grave. On a eu quelques trucs rares par contre, ça je suis content. Pas genre t'es coincé hein. S'il te plaît quoi. Ok très bien. Barrette ta plume. Du coup c'est la version normale. Alors 50. Très bien. Parfait. Et munitions de pistolet, du coup. Poudre à canon, ça va. C'est 1 et 1 à chaque fois. Et ça en fait 5 de balles. Par contre, c'est long. La charge de travail est très grosse. Donc, je peux en faire 50. Ouais, c'est pas mal. Poudre à canon. On va faire quelques... Ouais, il me faut du soufre. Il me faut du soufre.
Très bien. Toujours pas. Elles sont vraiment bien, hein, celles-là. Elles sont un peu bizarres, honnêtement. Si vous aimez les furies, j'imagine que vous aimez bien ça. Mais elles travaillent super vite. Elles sont vraiment bien pour les camps, je trouve. Vraiment, vraiment cool, celles-là. Est-ce qu'on a eu des... On a attrapé des choses? Ah bah oui, attends. On a eu le nouveau, là. Alors... Bon, il a un peu de la merde. Alors, permet d'utiliser tir rapide au lance-grenade lorsqu'il est monté. Donc on pourrait le prendre. Parce que électrique, j'ai pas électrique. Générateur d'énergie 2, travaux manuels... Là-bas. Putain, mais il est vachement bien en plus. L'autre, il fait quoi du coup? Lui, il fait semence. Lui, il fait semence. Et lui, il fait... électrique. Ouais, 3, 2, 2. Alors, on va peut-être le prendre à la place. Lui, je pense pas qu'il soit utile. On a déjà eux, là, les sortes d'elfes, là. Ah, ils sont déjà à 3, là. Eux aussi, ils sont vachement bien. Ils sont à 3 en travaux manuels. Donc, ouais. Ceux-là, je trouve qu'ils font une des très bonnes paires, en fait, pour tout ce qui est travail. Bon, fais voir un peu la taille que tu fais. Putain de ouf. Oh la vache. Oh mon dieu. Incroyable machin. Je vais arriver jusqu'à 140, puis après je mettrai des points autre part. Alors, c'est quoi tout ça? Alors, des mines. Incroyable. Mines, lits de qualité. Ouais. Structure en métal. Pioche et casque. Installer au camp, accroître la vitesse de travail des pales. Extraction. Oh, ça, ça tue, ça. Ça, c'est bien, ça. J'en ai pas mis beaucoup des trucs comme ça. Genre là par exemple il y a un silo pour la semence. Après j'ai rien mis d'autre. Mais c'est vrai que c'est vachement utile. Bon du coup le lit on peut le mettre. Le nouveau lit. Je sais pas si ça sert à quelque chose le nouveau lit honnêtement. Mais... de qualité. Et après on a donc construction, maintenant on a des trucs en métal. Et là on a ça. Genre ça, je voulais le mettre aussi, mais c'est 40 lingots, c'est énorme. Et puis c'est pas très très utile. Enfin quoique, on pourrait en fait. Maintenant c'est pas comme si on avait des problèmes avec le métal. Ça, il faudrait des belles fleurs. Ça, c'est vitesse d'allumage. Ça, ça peut être utile aussi, la vitesse d'allumage. Au final, pour faire cuire plus vite, je crois. Enfin, cuire le feu, quoi, plus vite. Tout ce qui est feu, donc genre ça, par exemple. Pas où on pourrait le mettre.
Enfin, le truc, c'est peu importe où il est mis, il fonctionne. Et là, 50 lingots, pioche et casque. Faut le mettre dans un endroit quand même qui a du sens, non? J'en sais rien. Après, techniquement, on s'en fout. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il est gros. Ah, elle a déjà fini les sphères, quoi. Bon, oui. Avant qu'on skie, je voulais regarder, en fait, les attaques. Alors. Alors, triple éclair. Fait s'abattre 3 éclairs au-dessus de l'ennemi. Ça, c'était ce qui me faisait. C'était pas mal. Génère une sphère de foudre qui se pourrait radialement vers l'avant. Onde électrique. Ça, c'est autour de lui. Après, il y a génère un éclair qui se déplace en ligne droite. Compétence exclusive à Mossandalux. Fait tournoyer son bras droit avant d'asséner un coup de poing électrifié. Honnêtement, ça avait pas l'air bof. Enfin, c'est facile à esquiver. Après, je sais pas sur les monts si c'est pareil. On va faire ça. On va faire... ligne droite. Et après, le triple éclair. Ça a l'air pas mal. Et je veux bien maintenant faire le lance-grenade, là. Comme ça, on peut le monter. Il me faut de l'huile de pâle de qualité. Ah, je sais plus où il faut en récupérer. Ah, vous savez quoi? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et je vais essayer de récupérer de l'huile, là. Ouais, je vais essayer de récupérer de l'huile et tout ça. Et de peaufiner un peu le camp et on reprendra la prochaine fois. Avec des balles et tout, parce que j'ai plus de balles pour le pistolet, enfin j'en ai plus beaucoup. Et tout ça. Donc ouais, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, c'était cool. On a encore bien progressé. Faut que je mette plus de nouveaux lits aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.